vous avez. Regardez. Oh, quelle est cette dame qui a gardé son petit chapeau à voile l'air? Marguerite Deval. Oh, il faut lui demander. Adorable chapeau, charmant. Vous aviez une façon de dire. C'est vraiment puissant ce que vous y tenez. Vous en prie, madame. Eh bien, je vais vous dire un petit poème écrit spécialement pour les dames, intitulé La Voix d'Or. Je vous en prie. Il lui disait, ciel de mes jours, chère et douce étoile immortelle qui m'a courbée sous ta tutelle, tu m'aimeras toujours, toujours. Toujours, toujours, répondait-elle. Il lui disait, tu me promets une fois telle et par Saint-Jacques de Compostelle que tu ne m'oublieras jamais. Jamais, jamais, répondait-elle. Il lui disait que le décor soit de bure ou bien de dentelle, qu'il soit chaumière ou brocatelle, tu me seras fidèle encore. Encore, encore, répondait-elle. Il lui disait, ma tendre Estelle, si par le retour d'une infortune accidentelle, je devenais pauvre à mon tour. Oh, merde alors, répondait-elle. Toujours aussi.